Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment faire de la gestion d'appartement avec sa société de conciergerie. Comme tu le sais, juste avant, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais t'inviter aussi à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait, c'est-à-dire en t'abonnant tout simplement. Tu vas découvrir un bouton tout en bas de cette vidéo, tu t'abonnes pour être notifié des prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, on parle de création d'entreprise et on parle aussi de mindset d'entrepreneur. Avant de commencer, je vais t'offrir trois formations totalement gratuites. La première, c'est sur la sous-location professionnelle immobilière. Si tu veux lancer un business en partant de rien, sans avoir à recourir aux banques, la sous-location professionnelle est une excellente alternative. Si tu veux lancer une conciergerie Airbnb, d'ailleurs c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, eh bien c'est pareil, je t'ai préparé une formation totalement gratuite. Et enfin, si tu veux te lancer dans l'investissement locatif, que tu cherches à trouver des appartements rentables, comment trouver des crédits bancaires, mais également comment exploiter en courte ou moyenne durée, eh bien c'est pareil, je t'ai préparé une formation totalement gratuite et tout ça, c'est à découvrir tout en bas de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de comment faire de la gestion d'appartements avec sa société de conciergerie. Alors déjà, la première chose, c'est que il y a, voilà, encore une fois, il y a beaucoup de, de fausses croyances, comme quoi, pour faire de la conciergerie, pour gérer des appartements, il faut absolument la carte G, la carte d'agent immobilier pour faire ce type d'activité. Donc c'est absolument faux, puisque en fait la loi Hoguet l'explique très clairement. L'agent immobilier, c'est quelqu'un qui va faire la promotion d'appartements, mais également qui va collecter les fonds pour un propriétaire. C'est-à-dire que si il trouve des locataires et que derrière, eh bien, il perçoit donc les loyers du propriétaire et derrière, forcément, il lui reverse en fin de mois moins sa commission. Là, effectivement, il faut une carte G, une carte d'agent immobilier. Bien évidemment, nous, on n'est pas dans ce cadre-là puisque nous, déjà, on ne fait pas la promotion des appartements en soi. C'est plutôt les plateformes qui font la promotion. Et également, on ne va pas percevoir le loyer directement. Concrètement, ce qui se passe, c'est que les plateformes vont verser l'argent au propriétaire. Et nous, en fin de mois, on va éditer une facture par rapport à l'activité qu'il y a eu sur l'appartement du propriétaire. Donc on va lui facturer et en fin de compte, le propriétaire va nous reverser et donc va nous payer donc l'argent lié à la facturation qu'on a pu lui éditer. Donc, tu vois bien qu'on n'est pas du tout dans ce schéma-là, absolument pas. Et donc, c'est ce qui nous permet de gérer des appartements pour des propriétaires à travers une société de conciergerie. La première chose qu'il va falloir que tu fasses si tu veux te lancer dans la conciergerie, eh bien, ça va falloir que tu crées ta société. Donc, il y a plusieurs types de sociétés qui existent. Déjà, il va falloir que tu saches si tu le fais tout seul ou avec des associés, parce que ça va déjà énormément conditionner le type de structure. Et puis après, est-ce que tu le fais plutôt, on va dire, en schéma plutôt un peu micro-entreprise, comme on peut appeler, donc en entreprise individuelle, ou bien est-ce que tu le fais vraiment en société? Donc là, ça peut être en SAS, en SASU ou en URL, SARL. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est pas de rentrer dans le détail. Ce que je vais t'inviter à faire, tout simplement, si toi aussi tu veux lancer ta conciergerie, c'est t'inscrire à la prochaine webconférence que je vais tenir dans les prochains jours. Tu verras tout en bas, il y a un lien, tu t'inscris à cette webconférence et ça te permettra justement de poser toutes tes questions. Et puis aussi, on passera sur mon écran, j'ai préparé des slides où je t'explique tout ça exactement comment on peut faire pour créer ce type de société. La deuxième chose, c'est qu'il va te falloir un contrat de prestation de service qui va encadrer ton activité par rapport au propriétaire. Donc, c'est là où tu vas définir ton périmètre d'action, mais également et pas seulement, eh bien, ta facturation. Comment tu vas facturer ton client? Donc, en règle générale, on facture un pourcentage sur le chiffre d'affaires plus les frais de ménage. Moi, à titre d'exemple, je facture 20% sur le chiffre d'affaires et derrière, je pratique donc des frais de ménage. Je vais te donner un exemple. Si par exemple, on fait 1000 euros de chiffre d'affaires fois 20%, eh bien, on est donc à 200 euros. D'accord? Si par exemple, tu fais deux nettoyages par semaine, par exemple, on va prendre un appartement type studio ou un T2, je facture en règle générale 35 euros, eh bien, c'est 35 euros fois 2 fois 4 semaines, ça fait donc 8 ménages. Ok? 8 ménages à 35 euros, on est donc à 280 euros. Ce qui nous fait un chiffre d'affaires de 480 euros. Et c'est exactement ça que tu vas facturer à ton client en fin de mois. D'accord? Donc,
là, c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu fonctionnes aujourd'hui. Donc, je connais des personnes qui ne facturent pas les frais de ménage, qui ont peut-être facturé 25 ou 30%. Moi, je préfère vraiment éclater ça comme ça. Sur ma facture, j'ai les frais de gestion, donc les frais pour gérer tout ce qui est entrée, sortie, répondre aux voyageurs, etc. Et après, j'ai les frais de ménage. Et là, du coup, ça me permet d'éclater ma facture et d'avoir une facturation relativement intéressante. Quand même, 480 euros sur un studio, c'est plutôt bien. Encore une fois, là, j'ai vraiment pris un 1000 euros de chiffre d'affaires pour une ville plutôt de taille moyenne sur studio plutôt T2. C'est à peu près les chiffres qu'on sort aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires. La troisième chose, c'est que donc après, une fois que tu as créé ta société, tu as donc ton contrat de prestation qui est prêt, il va falloir que tu trouves des propriétaires. D'accord ? Donc, il y a deux profils. Soit tu vas avoir des propriétaires qui sont déjà sur Airbnb ou qui font déjà de location courte durée sur Booking ou autre. Ou bien, peut-être des propriétaires qui n'ont encore jamais fait ça. C'est-à-dire qu'ils vont, ils louent soit en meublé, soit en nu. Donc, ils ont des appartements, mais ils n'ont jamais fait de LCD. Donc, dans le premier cas, il va falloir que tu t'adresses ces personnes que tu vas contacter, ces propriétaires, il faut que tu vérifies s'ils sont déjà accompagnés ou pas. La plupart du temps, ils ne sont pas accompagnés, c'est-à-dire qu'ils le font par eux-mêmes, ils font peut-être même eux-mêmes les ménages ou peut-être pas, mais généralement, l'annonce n'est pas optimisée, c'est-à-dire qu'ils ne font pas ce qu'on appelle du revenu management ou du yield management également, c'est-à-dire qu'ils sont incapables d'optimiser leur prix par rapport à de nombreux critères, de nombreux facteurs, et donc du coup, ils n'optimisent pas leur revenu si tu veux. Et toi, tu vas te placer comme vraiment un professionnel qui va être capable de leur dire, écoutez, moi, avec mes outils, avec ma formation, avec ce que j'ai appris, je suis capable sur votre appartement de générer tel ou tel chiffre d'affaires. Et eux, au contraire, ils vont te faire voir que leur chiffre est absolument pas bon. Et d'ailleurs, on voit souvent des propriétaires qui quittent la location courte durée parce qu'ils ne maîtrisent absolument rien. Et donc, du coup, ils font ça un petit peu comme ça, pas du tout en mode professionnel, un peu en mode amateur. Et donc, ils sont très déçus des chiffres qu'ils ont pu réaliser parce que, encore une fois, ils ne l'ont pas fait dans un cadre vraiment professionnel. Et vu que toi, tu as une société spécialisée là-dedans, eh bien, tu vas les accompagner justement à booster et à optimiser leur chiffre d'affaires. Dans le deuxième cas, là, c'est absolument différent. C'est-à-dire que là, c'est des propriétaires qui louent peut-être en meublé ou en nu et qui ne font absolument pas de LCD, pas de location courte durée pour tout un tas de raisons. Peut-être parce qu'ils ont peur d'y aller. Ils savent aussi que c'est le côté chronophage ou peut-être qu'ils ont peur par rapport à des crises, etc., ce que ça peut engendrer comme risque. Donc là, c'est à toi de les rassurer. C'est à toi de leur dire, écoutez, moi, je prends en charge l'appartement. Je suis capable de vous faire une projection sur votre appartement en termes de rentabilité et derrière, je gère absolument tout. C'est-à-dire que vous me remettez les clés et moi, je gère absolument tout. Vous avez juste finalement à me payer la facture en fin de mois. L'argent tombe directement sur votre compte. Pour vous, c'est tranquille et c'est moi qui gère absolument tout. Et généralement, on a bien entendu une meilleure rentabilité qu'en meublé et en nu très certainement, mais en meublé également. Même si derrière vous facturez donc vos prestations de service à hauteur de 20% ou 25 ou 30%. Je connais des personnes qui facturent 30% sur le chiffre d'affaires. Moi, je préfère facturer 20% et éclater avec les frais ménage comme j'ai pu te faire voir juste ici. Sache que aussi pour les personnes qui louent en meublé ou en nu, il existe une autre possibilité qui est la sous-location. C'est-à-dire que quand tu rencontres le propriétaire, tu peux très bien lui exposer les deux schémas avec le pour et le contre sur les deux schémas. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon dernier client. Et tu vois, finalement, on est parti plus sur la sous-location. Au départ, il me contactait pour vraiment le mettre en conciergerie. Et finalement, pour des raisons du pour et du contre, eh bien, j'ai réussi. Il a préféré plutôt la solution de la sous-location. Mais tu vois que dans toutes circonstances, on est vraiment là pour faire de la gestion d'appartement. On les gère et on est capable d'apporter des solutions aux propriétaires qui nous contactent. Donc, si toi aussi, tu souhaites lancer ta société de conciergerie ou tu veux faire de la gestion d'appartement, n'hésite pas à t'inscrire. Tu verras dans la menu, dans la partie description, tu vas découvrir un lien qui va te permettre de t'inscrire à ma prochaine webconférence que je vais tenir sur la conciergerie Airbnb et également sur la sous-location. Cette webconférence a lieu dans quelques jours. Donc, prends ta place, réserve-la dès maintenant et ça te permettra de voir, je vais t'expliquer absolument tout par rapport à ça, je vais te livrer beaucoup de contenu et de valeur et ça permettra à toi aussi de poser tes questions en fin de webconférence et du coup, ça te permettra de voir comment tu peux créer toi aussi dans ta ville ce type d'activité. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas aussi à commenter si tu souhaites rajouter des informations par rapport à ça et je vais te souhaiter une excellente journée et on se dit à très bientôt. Ciao!